Excellente nouvelle les amis, regardez, les Power Rangers sont de retour sur Super Héros et compagnie. Bienvenue les amis, approchez. Oui, voici le retour des Power Rangers sur la chaîne. Ça faisait maintenant tellement longtemps que vous n'avez plus vu de vidéos de Power Rangers. Pour les plus fidèles d'entre vous, souvenez-vous, je crois que c'était il y a 3 ans de ça maintenant. Je vous avais fait des figurines Power Rangers, je vous avais même montré, je vous avais construit un Megazord, l'Ultra Zord hyper géant avec tous les véhicules des Power Rangers. Si vous avez raté ces vidéos, il y a une playlist Power Rangers sur la chaîne. Allez voir, vraiment, ça vaut le coup. Aujourd'hui, eh bien, ce sont la nouvelle génération des Power Rangers que nous accueillons sur la chaîne, à savoir les Beast Morpher. Eh ouais, Beast Morpher, et nous avons deux choses à voir aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, on va voir le Morpher, le bracelet Morpher, celui qui sert aux Power Rangers à se transformer. Effet sonore, effet lumineux, on verra ça d'ici quelques instants. Et surtout, regardez, nous avons ici un Megazord, un Ultra Zord même. Le Beast X-King Ultra Zord avec 30 sons et phrases différents, plusieurs modes de jeu. Vraiment, le robot déjà, il a l'air juste fantastique et il a, waouh, il a une épée qui est énorme, énormissime, l'épée, et apparemment, waouh, c'est trop cool, il réagit même au mouvement. Alors ça, vraiment, je suis super curieux de le découvrir. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer les amis? Eh bien, je crois que nous allons débuter par le Morpher, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, jetons maintenant un œil à ce Morpher. On va l'ouvrir et le découvrir. Il a l'air juste au top. Hein. Il produit jusqu'à 20 sons et phrases différents. Et lui aussi réagit au mouvement lorsqu'on l'a au poignet. Donc ça c'est top. C'est le même Morpher que justement les Power Rangers utilisent lorsqu'ils se transforment. Donc ça, c'est franchement trop classe. Le voici, on y va. Et voilà les amis, nous avons ici le Morpher des Power Rangers Beast Morphers. Alors ici, déjà je vais vous dire, je n'ai pas vu cette saison de la série, donc je ne la connais pas, hein. Donc si je me trompe, vous m'en voulez pas, mais ça ressemblerait bien à une clé qui permet d'activer le mode de transformation sur le Morpher. Vous allez le voir d'ici un instant, et le Morpher, le voici. N'ayant pas vu la série, je peux pas vous dire, mais je pense qu'il est vraiment fidèle et identique à celui qu'utilisent les Power Rangers pour se transformer. Il est bien, on voit qu'il est super beau, il a une forme d'animal en fait, magnifique. Alors il faut savoir que les piles sont fournies, donc vous n'avez pas besoin d'acheter les piles pour le faire fonctionner. Il marche, il fonctionne immédiatement. Ici, un interrupteur que vous allez mettre sur la position numéro 2 pour le faire marcher. Et vous avez ici, bien entendu, un bandeau en scratch pour pouvoir porter le Morpher. Alors je ne sais pas si moi je vais pouvoir le mettre. Est-ce qu'il est assez grand pour que je puisse le mettre à mon poignet? On va voir ça. Et oui, c'est le cas. Regardez, même moi je peux m'amuser avec ce Morpher Power Rangers. Excellent. Et maintenant, si vous êtes d'accord, on va le mettre en route. Alors je vais l'enlever du poignet parce que sinon ça va être difficile pour moi de vous montrer tous les modes de fonctionnement avec le Morpher sur mon poignet. Donc je vais l'enlever et je vais vous montrer ça. Et il y a deux modes de fonctionnement avec ce Morpher des Beast Morpher, avec la clé pour activer la transformation ou sans la clé. Vous êtes prêts? On y va. Attention, je le mets en position 2. Ça y est, vous avez vu, il réagit, il est allumé. Et pour l'activer, il va falloir lui appuyer ici sur le museau. Attention. Ranger, pleine puissance. Activation du mode Trop cool, non? De quoi vraiment se prendre pour un Power Rangers et jouer les justiciers? Ça, c'était qu'une partie des différentes phrases et effets sonores que peut faire notre Beast Morpher. Maintenant, on va essayer le mode, eh bien, avec ça, pour la transformation. Il va falloir l'insérer ici.
comme dans la série, j'imagine, pour activer le mode. Vous êtes prêts? Transformation! Activation du mode Beast X! Activation du mode Beast X! Waouh, mais c'est trop cool le mode transformation Beast X. Sérieusement, vraiment, c'est super chouette. Alors si vous aimez la série, ça, vraiment, vous devriez l'adorer parce que vous allez pouvoir vous prendre pour les Power Rangers avec ce truc et donc vous transformer et affronter les méchants grâce au mode de transformation Beast X. Donc ça déjà, c'est top. Vous l'avez vu, ça réagit au mouvement. Dès que je bougeais comme ça, eh bien, ça faisait des sons différents. Donc ça... Déjà, le Morpheur, je valide, c'est super cool. Et maintenant, c'est au tour de l'Ultra Zord des Power Rangers Beat Morphers. Et lui aussi réagit au mouvement avec 30 effets sonores et phrases différentes. On va l'ouvrir et je vais vous le présenter en détail. Ça y est les amis, on l'a déballé. On a un tout petit peu de construction à faire puisque les pieds de ce Ultra Zord n'étaient pas en place, n'étaient pas assemblés. On les met en place comme ceci et on sera prêt pour la bataille. Ah tiens, je crois que je l'ai mis à l'envers. Et le voici les amis, le Ultra Zord Beast X King Power Rangers. Admirez-moi la taille de son épée. C'est un Ultra Zord qui est vraiment super beau. Et plutôt grand, il doit faire 30 ou 35 cm, même 40 je dirais. Et vous allez voir... que lui aussi a plusieurs modes de jeu. Alors il n'est pas transformable, hein, contrairement aux autres Megazord ou Ultrazord. Celui-ci ne se transforme pas, il fait juste des effets sonores et lumineux, dit des phrases. Et vous allez voir qu'il a plusieurs modes de fonctionnement qu'on pourra actionner grâce à cette pièce-ci. Déjà, la mise en route. Et en fait là, vous le voyez, vous avez un interrupteur qui est en position 0. Pour l'instant, vous avez la position 1, la position 2. Et en fonction de quelle position vous allez utiliser, eh bien l'Ultrazord va dire des choses et faire des sons différents. Alors on est prêt? Prêt pour la position 1? C'est parti. Il est temps de défendre la grille. Alors là, c'était l'interrupteur en position 1. C'était déjà super cool, vous avez vu. À chaque fois que vous bougez l'Ultra Zord, il parle et dit des choses différentes. Maintenant, on va mettre l'interrupteur derrière en position 2. Et là, on va avoir droit à deux modes. Le mode lion et le mode combat. Lorsque je vais tourner la roue ici, vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Activé.
Alors cet Ultra Zord, je l'adore, il est juste trop bien. J'ai pas réussi à activer toutes les phrases qu'il est capable de dire. Donc ça, ce sera à vous de le découvrir en fonction des mouvements et des modes de combat. D'ailleurs, entendez ? J'hallucine ! Incroyable ! Lorsque vous le laissez allumer pendant un certain temps, il s'endort et se met à ronfler. Il a ronflé en direct dans la vidéo. C'était vraiment trop fort. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais vraiment, cet Ultra Zord, il est impressionnant, il est beau. Hein. Il est articulé, vous voyez qu'on peut le bouger au niveau de la taille, ça je vous l'ai montré. Les poignets tournent également, ainsi que les bras. Donc, c'est un robot. Si vous aimez les robots et si vous aimez les Megazords de Power Rangers, ce truc-là, vous devriez l'adorer. Moi, réellement, ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver enfin les Power Rangers après une si longue absence et surtout de vous présenter des produits aussi géniaux que sont les nouveaux jouets Power Rangers Beast Morphers. Vous les avez aimés ? Eh bien, mettez-moi un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et vous allez pouvoir dire ce que vous en avez pensé juste là en bas dans les commentaires. Et si ça vous intéresse, si vous aussi, vous aimeriez avoir ces produits, le Morpher ou l'Ultra Zord, je vous ai également mis juste en bas, sous la vidéo, dans la description, le lien pour les trouver rapidement et au meilleur prix. Voilà, eh bien, les amis, très très content d'avoir pu vous présenter ces Power Rangers Beast Morphers, un Ultra Zord qui est vraiment super beau, un Morpher avec des fonctions de détection de mouvement, des effets sonores et lumineux, vraiment très chouette également, de quoi se prendre pour un Power Rangers. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à très très bientôt, peut-être pour la suite des Power Rangers sur Super Héros et compagnie bien sûr. En attendant, portez-vous bien et combattez le mal. A bientôt, bye bye, ciao.